Bienvenue à bord du transport 909 en route pour Pyramide. Toutes les blessures subies lors de votre capture ont été examinées et sont considérées comme sans gravité. Nous devrions atteindre notre destination dans 16 heures. S'il vous plaît de doser, que vous avez besoin de vous soulager. C'est pas vrai. Placez à vos pieds. La Pyramide, une nouvelle civilisation. Loin des nombreux dangers du monde extérieur. L'obéissance est votre garantie du succès et sûr. Toute insoumission sera sévèrement punie. Danger, température critique. Évasion dans le compartiment 9! Évasion dans... De rang B, attendons les ordres. Où sont mes affaires? Quoi? Mes affaires! Tout ce que j'avais quand on m'a enlevé! J'ai rien le droit de dire, c'est contraire aux ordres. À la réserve, dans la coque inférieure. L'esclave 6B58 est coupable d'aide à un fugitif. Infraction de niveau 1.
Exécution de l'esclave, ID 5. Ma bécane. Au moins, j'ai trouvé mon matériel. Alors là, ça va chier. Des robots. Au moins, ils sont désactivés. Voilà.
doit s'écraser. Il faut que j'arrive à atteindre une de ces capsules. Merde! Allez! Allez, espèce de crétin! Allez! J'ai l'impression qu'on m'a éclaté la tête. C'est la couronne. Quoi ? La couronne d'esclave. Ce que je t'ai mis sur la tête. C'est toi qui l'as mise ? Je vais t'expliquer. Enlève-moi ça, ou je te jure que je t'arrache la tête. Non. Non ? Tu crois que je plaisante, c'est ça ? Commande, stop ! La vache ! Ça marche ! Commande, éloigne-toi de moi ! Qu'est-ce que tu me fais, bordel ? J'ai droit de piquer une couronne. De manière à ce qu'elle réponde à mes commandes vocales. L'activation déclenche une réaction douloureuse. C'est ce qui contrôle les esclaves. Je vais te buter. Impossible. Si mon cœur cesse de battre, quelle qu'en soit la cause,
cerveau reçoit une décharge fatale. Si je meurs, tu meurs. Pourquoi ? J'ai besoin de ton aide. Je viens d'une communauté indépendante, c'est à 500 km d'ici. Jamais j'y arriverai toute seule. Si je tombe sur des robots, je suis morte. Alors voilà. Si tu me ramènes chez moi, tu seras libre de repartir. Tu me laisses pas vraiment le choix. J'ai pas le choix non plus. Désolée. Ok. En route. Commande, reste avec moi. Hey, c'est quoi tous ces trucs que je vois d'un coup? J'ai programmé la couronne pour qu'elle affiche des infos. Elle est connectée à ton bouclier et à mes signes vitaux. Et ta voix? J'ai l'impression de l'entendre dans ma tête. Normal. J'ai créé une liaison auditive permanente. L'atterrissage a été assez rude pour toi. Bon, on continue. Qui sont tous ces gens? Aucune idée. Cet endroit devait être un lieu de rassemblement. La sortie est par là? Je crois que c'est un pont basculant. Sûrement pour se protéger des robots. Ça doit être ses commandes. L'autre côté est bloqué. Tu peux aller libérer le passage ? Fais attention ! Mets-toi à l'abri. Je vais m'en occuper. Ah.
Ok. La voie est libre. Viens par là. J'arrive. On devrait pouvoir sortir par ici. Tu peux bouger ça ? Ramener chez toi le plus vite possible pour que tu puisses enlever ce truc de ma tête et que je casse la tienne. C'est pas... Ouais, je sais. Tu vois la fumée là-bas, c'est là que le transport s'est écrasé. On va essayer de l'atteindre, voir si ma bécane a survécu au crash. Quelle bécane? C'est la seule façon que je connais de faire 500 km. Deux roues et un moteur. Regarde-moi ça. Il devait y avoir des milliers de gens qui vivaient ici. Plus. Des dizaines de milliers? Possible. C'est triste. Je me demande ce qui leur est arrivé. Vraiment à t'en sortir. Alors quand je t'ordonne de faire un truc, je veux que tu le fasses. Immédiatement. Ok. Je suis désolé.
On peut aller par là, je crois. Ça. Un émetteur d'IEM. Il vient de mon père. Il neutralise quelques instants les robots de petite taille. Assez pour que j'ai une chance de filer. Cette porte de sécurité fonctionne toujours. Il doit y avoir des batteries actives par ici. Et alors? Faut pas se laisser distraire. Il faut qu'on rejoigne les...